Hey, Hoyo Minasan, c'est Kenjo, et aujourd'hui on se retrouve pour Splinter Cell Blacklist. Et ouais, il faudra bien que je le finisse un jour celui-là. Donc c'est parti, bon. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a à faire. De toute façon, hop, non, pas ça, de toute façon, il faut que j'y aille là-bas, ok. Donc voilà, donc c'est parti. Alors... Nous prévoyons que l'instabilité provoquée par la Blacklist sur le territoire américain se révélera à notre avantage. Nous avons l'intention d'accélérer les opérations, surtout avec les États amis des Américains qui sont susceptibles de se détacher de leur allié blessé. Les communications interceptées sur leur réseau militaire indiquent un coup d'État ou une prise d'otage sur un site sécurisé. Nous allons continuer à surveiller la situation. Ok. Bon, ben lançons la mission, hein. Alors c'est la seule entrée. Vérifiez les défenses secondaires. Grimm, on a réussi à joindre la présidente. Ouais, mais ils veulent pas prendre l'appel. Comment ça? Attendez, on a le conseiller de la présidente. Désolé, la présidente est occupée par une affaire urgente, elle ne peut pas vous parler. Dites-lui que c'est échelon 4. Elle le sait, ma vraie Grimm. Écoutez, je sais que vous avez le melon parce que vous prenez le café avec la présidente, mais j'ai beaucoup plus d'amis que vous au congrès. Vous me menacez? Non. Vous me passez la présidente si vous voulez encore travailler à la Maison Blanche. Ça, c'est une menace. Présidente Caldwell, nous pensons que le bunker du site F à Denver est une cible de Sadik. Était. Il avait placé des agents dans le bunker. Sadik en a pris le contrôle et il dit l'avoir piégé avec des armes chimiques. Nous pouvons y être dans 2 heures. Non, vous allez rentrer. Quoi? La situation est sous contrôle. Delta a établi un périmètre autour du bunker. Sadik est d'accord pour discuter. Si on accepte ces conditions... Et depuis quand les États-Unis négocient avec les terroristes? Il a capturé les principaux membres du gouvernement et de l'armée, y compris le secrétaire à la défense. Non, Sadik n'en a pas après l'argent. Ce serait trop simple. Beaucoup trop. Malheureusement, on ne gère pas le monde libre à l'instinct. Vous avez les mains liées. Pas moi. Je ne vous ai pas donné tous les pouvoirs pour que vous meniez votre propre vendetta. Nous avons la situation en main. Vous foncez droit dans un piège. Je vais être très clair. Tous les avions, y compris Paladin, restent au sol. L'Air Force a pour ordre de tirer sur tout ce qui approche de Denver. Ok. Il faut aller à Denver et éliminer Sadik. Mais je ne peux pas le faire tout seul. C'est du Suicide Man. Suicide Man, Suicide Man! On va à Denver. On va à Denver. On va à Denver. On va à Denver! On va à Denver. Ouh! Grimm, quelles sont nos chances contre les défenses anti-aériennes de Denver? Il y a une tempête de neige, ça nous permettra de tenter une approche furtive. J'aurai besoin de Charlie pour les contre-mesures. Bien sûr, Grimm, pas de problème. Quoi? Répétez ça? Sam, le pilote refuse d'aller à Denver. Relève-le de son poste. Fais monter Cobin. Ok, d'accord. Ils sont nombreux et lourdement équipés. Et on ne peut pas perdre d'otages. La meilleure option, c'est d'utiliser les grenades à gaz et le trirotor. Bonne chance. Bin, notre statut... Ok, allez, on y va. Je m'occupe des contre-mesures électroniques. Toi, tu nous fais descendre. On va pas passer loin. Delta se rapproche de notre position parée au combat. Ça pourrait poser problème. Tu as localisé les cibles secondaires? Oui, il y a une salle de contrôle qui permet d'accéder à tous les systèmes de défense et de communication. J'ai modifié le virus des ingénieurs et je l'ai copié sur des clés USB. Connecte une clé à chaque système et tu verrouilleras le bunker. On a aussi une idée sur la vraie cible de Sadik. Leur système est isolé, à une exception près. Quand la continuité du gouvernement est déclenchée, toutes les informations clés sont sauvegardées dans le bunker. C'est ce que cherche Sadik. On essaie de joindre la présidente. Il surveille peut-être les communications, on reste silencieux. Les fesses, on est sous leur radar. Tu vas tous nous faire tuer. Et maintenant, pour rigoler, sans lumière. Sans lumière. Je diminue les gaz. Tu es prêt? Allons-y. 100 pieds. 50 pieds. Oh, nice.
Et là, on fait quoi? On prie. On prie. Ok, d'accord. Mais vous allez avoir besoin de prier alors. Sérieux. Vous allez prier, ouais. J'ai peu de temps. Il faut que t'ailles à la fausse station météo. C'est elle qui gère la clim du bunker. Trouve un moyen de passer par la ventilation pour entrer dans le bunker. Là, tu branches les trois clés USB que je t'ai données pour charger le virus. Ensuite, passe par le vide sanitaire sous la salle d'opération. Là, tu pourras activer la séquence de verrouillage. Ça va? Les gars, je suis pas armé. Je suis un civil, j'ai pas d'armes. Oh my god. Hey man, il te manque un casque et une tête. La sécurité indique quelque chose d'étrange dans ton secteur. Vérifie. Est-ce qu'il y a un moyen de passer? Hey là, ok. Je l'ai. Pas. Vas-y, cette lumière me saoule. C'est un peu con, j'ai utilisé une balle de sniper pour rien. En plus, voilà. Mec, il éteint toutes les lumières. J'ai bien dit toutes les lumières! Voilà. Enfin, tous. Toutes les lumières. Pas la lumière. Ok, y'a un mec là. Voilà. Et le portable. Je sais qu'il y a un portable, il y a un truc là, non? Si je suis là, mais il n'y a pas un portable quelque part. Je sais qu'il y a un portable, mais il est dit tout. Ah, vas-y, il est où le portable? La lumière intérieure. Et toi, c'est super. Putain, mais il est où? Le mec a recharge du portable, quoi, sérieux.
Je crois qu'ils l'ont baisé le portail en fait. Je sais pas. Bonsoir. Maintenant il faut sortir d'ici. Ok. Est-ce que j'ai pas d'objectif? Tu vois, j'avais un portail, mais je sais pas. Bon, c'est pas. On fout un peu si je suis pour de l'argent. Le but est de finir le truc. Enfin, le jeu quoi. Bon, c'est arrêté pas mal à, 5, à 100%, mais. Bien, je peux pas détruire ça, c'est vrai. Et pour l'autre entrée, on installe les fils et les C4. Je sais pas ce qu'il faut que je passe sur le côté. C'est là-bas. Hop là. Ah, vite. Non, je crois qu'il s'arrête. Non, il s'arrête pas. Il s'arrête pas du tout. Il continue sa, son chemin, ce bâtard. Allez, hop, on rentre là-dedans. Voilà, bonjour, c'est moi, c'est Fischer, je passe. Est-ce qu'il y a des lasers, des fucking lasers? Apparemment, non. Donc c'est bon. Allez, on passe par là. Hop. On va éviter de tomber. Sinon, on va finir archi parmenté à la fin. Enfin, archi parmenté, quoi. Ouais. Enfin, c'est un plat avec la viande hachée. Bon, il faut pas faire un dessin. Ok. Pas un truc là. Je peux pas casser ça, sérieux. Parce que normalement c'est le boîtier je crois qui gère tout. Enfin je crois. Alors, bonjour les lasers. Je peux pas vous casser la gueule, ok. c'est marrant. Voilà. Ok. C'est une fucking idée d'avoir mis autant de lasers dans une entrée comme ça. Ça me ruine le moral. Casse-tête chinois, putain. Et je dois y aller ici ou je dois aller en bas? Je pense que je dois passer par là, je crois. À tous les coups. Et descendre, ça fait quoi? Ok. Ce laser il est là, est-ce que j'ai un laser qui est... Il y a ce laser qui passe là. Je crois qu'il va se ramener... Non ça va. Je pensais qu'il allait se ramener là-bas. Comment je fais? Voilà. Ah. Putain. Nom d'une banane. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Nom du banane, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai dit. Allez, on passe par là. On fait coucou, voilà. C'était un petit peu long le laser là. Voilà. Et maintenant, c'est pas là. Really? Sérieux, c'est pas dans ce machin là? Oh my god. Je crois qu'il faut descendre tout en bas en fait. Je crois qu'il faut descendre tout en bas. Ah, ici. Ok. Ok. Ok, d'accord. Je pensais qu'il fallait monter là-haut. Non. Non. Bah, mauvais time. Mauvais time. Go. Hop là. Je hais ces trucs de laser. Faut-il passer par là? Hop. Bah, tu vas mourir. Voilà. Tu meurs. Bonjour. Le mec, c'est... Tu m'as pas vu. Mais moi je t'ai vu. Enfin si, tu m'as vu en fait.
mais sans savoir, tu es mort. Ok. Ouais, ça fait quoi si je descends en bas? Non, il y a que d'elle. Peut-être passer par en bas. Ouais. On récupère des munitions. Voilà. Ok, on coupe la lumière. Oh merde, ça n'a pas marché. Oh merde. Ramenez-vous. Ah ouais, je suis là. Au revoir. En fait, je crois qu'il reste plus que l'autre connard là avec son machin là. Bon, tu te ramènes là? Voilà. Ouh, y'a un autre mec. Je crois qu'il y a un autre mec. Ouais. Ta gueule. Bon. Ah, mais viens là! Voilà! Au revoir! Ah, c'est un coup. C'est mieux. Laser, voilà. Bah, enfin, je savais même pas que c'était ça, j'ai tiré dans le truc, sans savoir. Je me suis dit, pourquoi il y a des fucking lasers? Je suppose que là, si je vais là, ça fait chier. Si je passe par là, ça doit le faire. Je crois qu'on va casser ça, non, un peu. Non, ça sert à que d'elle. Apparemment, c'est vraiment le gros foutoir ici. C'est vraiment, mais vraiment le gros foutoir. Voilà, on va accélérer un petit peu. Oh mais putain, mais... Saloperie. Bon, il y a une clé USB tout en bas. Non, je vais descendre moi, je peux... Non... Ok. On descend en bas par là. Ouais. Apparemment, il y a une clé USB tout en bas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un truc pour descendre en rappel ou autre? Parce que je pense pas que l'ascenseur marche. Enfin, je pense pas. Donc on va faire se suspendre. Voilà. On va passer par là. Tac. Voilà. Ah là, il y a un truc pour descendre, je crois. Enfin, je suppose qu'il y a un point d'entrée ici. Voilà. On descend en rappel, voilà. Et hop, là. Voilà. Bonjour les lasers! Mais il y en a partout ces connards! Oh putain, même si on... Non, c'est pas ça de toute façon. On va suspendre, ok. Ok, alors. Ok. Ça, c'est fait. Je crois qu'il faut que je le par là-bas.
Ok, le tout c'est de bien jauger quand passer, parce que là franchement il y a des lasers là. Je hais les lasers. Je hais. Je te hais laser. Je passe. L'autre il est là-bas. Non. Allez, hop. On est passé. Ok, on se rééquipe. En munitions et tout, attends-toi. Et on fait coucou. Là, il n'y a pas de laser. C'est qui tombe bien. Un truc pour descendre directement là, je crois. Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Non, je veux descendre. Je veux pas monter. Je veux pas monter. Hop. Coucou toi! Au revoir! Où est la clé USB là? Tout ça? Ah putain, mais elle est en haut! Ok, je vais chercher la, quand même, je vais chercher quand même la, la clé USB quand même! À tous les coups, elle est là-bas, ok, d'accord. Je vais faire la. Super! J'adore être suspendu au-dessus des ennemis en mode bon, vous me voyez pas, je suis là, mais vous me voyez pas. Alors, la clé USB, comment je récupère? Ok, sur les côtés. Ok. Hein? Voilà. On récupère ça, ça fait quand même 10 000 dollars, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien, on va dire. Bonjour messieurs, j'arrive dans quelques instants. Laissez-moi retourner par là, voilà. Alors. Voyons voir, voyons voir. Hop, on va redescendre par là. Hop, tant pis. Ok. Parce que là, tout va bien. Bonjour, toi. Attends, comment on fait pour marquer? Ah, halt. Non, pas c'était elle. Un amateur, j'ai besoin de renfort. Quoi? Ah oui. Vos gueules. T'as il est où? Ta gueule! Voilà. C'est bon? Y'a plus personne? Y'a plus personne. Ah si, là y'a pas. What? Arrête de bouger comme une anguille! Laisse-moi te tuer! Voilà. Apparemment, une jolie caméra ici. Qui fait bien chier. Voilà. On va voir la caméra. Même si ça sert à que dalle. Apparemment. On va passer par là. Coucou. Ma meilleure amie d'escapatoire. Bonjour toi. Ah je dois un jouer. What? Sérieux? Mataku, putain, je suis trop con. Oh mais fuck. Putain, je voulais le cut. Ok. Voilà. Bon, on verrait quelques scènes assez marrantes. Merde, c'est un truc. Ok. D'accord.
Quoi, j'ai plus de munitions? Sérieux? Oh. Un amateur. Des gueules. Voilà, tu meurs. Où est le dernier lardon? Où es-tu? Je viens te chercher. C'est bon, là, direct, inquiétez là. Au revoir, fais dodo. Voilà. Là, je sais plus comment on fait pour donner des coups. Alors, ça, c'est pour se mettre à couvert. Putain, j'adore ce casque. J'adore le casque, bordel! Ok, si je peux pas rentrer par là, qui est le cas. On va passer par là alors. Yeah! Ah, mais voilà, c'est bon. Et voilà, des munitions. What? Mais il tombe. Mais tombe. Voilà, on récupère des petites munitions très précieuses. Ta gueule. Le mec, c'est, il descend comme ça en mode coucou chez. Ah non, ta gueule. Ok, par là on peut pas passer. Ok, y'a un mec juste à côté. Ah, merde. Ok. Bonjour. C'est le livreur de pizza. Y'a quelqu'un? Oh merde. Il y a un massacre ici. Ça on désactive, voilà. Je sais pas à quoi ça correspondait, mais bon. C'est désactivé. Y a-t-il un autre passage? Voilà. On va passer par là. Oh oh oh! Rally! Putain! Et voilà, l'épisode se termine à ce niveau-là parce que voilà, je me suis fait tuer. Après, j'ai continué, mais ce sera pour le prochain épisode. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, donc likez et partagez, c'est l'avant-dernier, donc voilà. Donc allez, on se retrouve pour le dernier épisode de Splinter Cell Blacklist. C'était Gancho, bye bye.